Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Mappé. Déjà, je voulais remercier Galia qui me donne la parole et ce temps de parole. Le ministère aussi pour l'organisation et le back-office. Alors, je me présente très rapidement. Moi, je m'appelle Mappé. Je suis communicante, créatrice de contenu, on va dire journalistique, parce que c'est quelque chose que je développe de plus en plus. Et donc, moi, je voulais vous parler d'un événement qui s'appelle Afronos, qui est en fait le salon africain du mariage. Pour information, ça n'existe pas encore. Il y a peut-être des événements petits par-ci, par-là, un événement ici à gauche, à droite. Mais là, ça sera vraiment un grand événement organisé dans un espace pour accueillir un nombre de stands assez important, un nombre de participants, de public assez important aussi, pour que chacun puisse arriver et trouver ce qu'il cherche. L'événement aura pour objectif de mettre en avant, valoriser, promouvoir les cultures africaines afro-descendantes également. Parce que oui, dans les communautés afro, les gens se marient. Et avec cet événement, on peut passer à la slide suivante. L'objectif est de continuer d'aider les personnes à trouver les prestataires, à avoir un seul endroit comme le salon du mariage classique. Vous arrivez, vous trouvez le photographe, le vidéaste, la robe de mariée, la tenue pour les filles d'honneur, la make-up artiste, quoi d'autre ? Les ongles, peut-être le cortège, peut-être le spiritueux, le vin, si vous voulez un petit vin, etc. Bien sûr, l'événement est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir seul, accompagné. C'est ouvert pour les couples et les célibataires, parce qu'il y aura aussi un espace pour les célibataires. Et donc, il y a la partie purement événementielle, mais il y a aussi des conférences qui, elles, vont aller un cran plus loin. C'est pas sur la présentation, mais je vous en parle. Qui, elles, vont aller un cran plus loin et parler vraiment de l'amour et du couple, des personnes, des individus et les domaines de vie. Galia parlait justement de développement personnel, le fait de transcender les émotions négatives. Eh bien, il y aura deux conférences sur l'amour et la santé mentale, l'amour et la santé physique avec un couple, Chimpaka, peut-être que vous le connaissez, François et Ornella, vous tapez Francos Moneman sur Instagram, qui a eu, je crois, un cancer dernièrement et qui en a parlé sur ses réseaux sociaux. Ils sont passés par là, ils vont en témoigner. Pour la santé mentale, vous avez Sophie de la page Guérir pour réussir, qui, elle, aide à guérir les traumas stockés dans votre corps, parce que les traumas qu'on a petites, si vous avez vécu des viols, des incestes, si vous avez vu votre père taper votre mère, ou des violences dans votre famille, ben ça reste en fait dans le corps, ça reste dans la psyché de l'enfant que vous étiez. Et justement, elle aide à justement sortir de cela. Vous avez aussi la conférence Amour et foi avec le couple Kapenda qui travaille ensemble et qui justement parlera de ça, comment travailler ensemble avec son conjoint en étant, en respectant sa foi. Je ne vais pas faire la liste parce qu'il y en a au moins une dizaine. Vous pouvez aller sur l'Instagram Afronos. Alors, ça commence à 16h. 16h à 23h, donc vendredi 20 prochain. Vous sortez, vous vous habillez pour la journée si vous allez au travail ou si vous êtes en télétravail. Vous vous habillez, vous venez juste après. Vous aurez quelques conférences, un défilé. Et à 21h45, vous aurez une personne du nom de Lady Sonia qui vous donnera une conférence sur le choix du conjoint pour vous les célibataires. Voilà. Ensuite, le samedi, donc ce sera de 10h à 19h, vous aurez les conférences, bien sûr, les stands que je vous ai cités, un exemple que je vous ai cité plus tôt. Vous aurez également un coin pour les célibataires, oui, c'est pour ça que je vous avais dit, la destination découpée des célibataires. Et pour terminer la soirée, je fais un petit focus, vous aurez la possibilité de passer un petit moment avec le chanteur Taiki, au choix, d'accord ? Voilà, au choix, c'est pas obligatoire. Donc prenez vos places sur Instagram. Dans la bio, vous avez le lien de la billetterie. Vous pouvez prendre soit premium, soit standard. Si vous prenez premium, vous avez l'accès à l'espace VIP où vous pourrez voir les VIP de l'événement, si vous le voulez, et avoir accès à une restauration en continu pendant toute la journée. Ou sinon, billet standard, vous venez, vous découvrez, vous faites plaisir. Et comme c'est un peu loin, parce que c'est vrai que c'est dans 78 à Port-Marly, vous connaissez ? Oui. Non. RERA, Saint-Germain-en-Laye, et de là, il y aura un système de navette qui sera mis en place si jamais vous n'êtes pas véhiculé. Comme ça, ça vous permettra de venir. Et je pense que je vous ai tout dit. Donc, si vous avez des questions après, venez me voir. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai. Merci pour votre attention. C'est bien, non ?
Oh Seigneur, je vais me marier, comment je vais? Voilà.